Ah ouais, fallait pas crier comme ça, je vous ai fait peur, c'est fait exprès. Comment allez-vous bien les gens sur le web? Ah ouais, je reviens sur Twitch là. Je vais faire un retour fracassant. J'ai vu que depuis que j'y suis plus, il y a plein de filles qui se sont installées avec des piscines gonflables. C'est quoi cette manie là? Faut m'expliquer un petit peu. Faudrait que j'achète une piscine gonflable, moi. Et puis que je fasse pareil. Non mais dites-le-moi, je suis prêt à tout pour booster le bronze, vous le savez bien. Et donc Monsieur K dans une piscine gonflable, dans son petit bikini très serré. Ouais, je vais essayer de prendre un truc pour du 12-14 ans, ça devrait le faire. Pourra vous présenter un jeu, si vous payez assez cher. On fait ça? On est parti les gars? Ok, elle était bien cette bande annonce. Allez, elle s'en va, hop, bye bye. Aujourd'hui on revient dans Twitch pour faire quoi? Pour faire de la tondeuse. Oui, je vous les ai déjà toutes faites. Je vous ai fait Mindfulness Simulator. Un simulateur où vous êtes un caillou qui fait de la ASMR, entre autres. Oui, j'ai osé. Je vous ai fait Power Wash Simulator. Et comme dans la vraie vie, on a bien vu que nettoyer, c'est... Non, faut pas me faire faire ça, quoi. Le seul truc que je peux faire bien avec une éponge, c'est nettoyer un chat. Voilà. Mais il se laissera pas faire. Donc... on va éviter. Et aujourd'hui, je n'ai pas dit mon dernier mot puisque c'est la revanche ultime. On va aller dans ce fameux simulateur d'appareil haute technologique qui nous permet de nous balader dans le jardin en frimon. Regardons par-dessus là et la voisine qui vous voit suer votre corps, les muscles bondés en poussant cette saloperie de tondeuse. Tout de suite, ça sonne moins bien avec le mot final. Ah, vous vous attendiez à un truc chouette? Moi aussi, je m'y attendais, mais je crois qu'on va dans un jeu qui est vraiment trop génial. Go! Go! Pourquoi j'ai dit oui encore? Jean-Phi! Jean-Phi! Ton jeu, là, tu le lances ou t'es en train de décompresser des vertex? Parce que c'est une cata le démarrage déjà. Ça sent le mec qui va relancer son jeu parce que ça démarre par un fail. Tu es bien dans The Big Game Husky. Ça marche. On tient quelque chose là les gars, on tient quelque chose, c'est pas mal. Alors qu'est-ce qui m'a motivé à vous faire un stream sur Lawn Moving Simulator? C'est que Monsieur K a un passif de tondeur assez poussé. Ouais, j'étais pas loin des compètes, hein, je dois avouer. Et forcément, quand j'ai vu ça, je me suis dit, faut que je vois si le skill est toujours là. Je vais vous raconter tout ça dans cette épique aventure qui est... Lawn Moving Simulator! Vous allez tous l'aimer! Regardez, il y a un DLC Dino Safari où tu dois passer une tondeuse ultra bruyante au milieu d'animaux très susceptibles au bruit. Putain, je crois qu'on a déjà dépassé la connerie même avant d'être entré dans le jeu réellement. Qu'est-ce qui se passe? Je vais baisser le son. Ouais. Waouh! Regardez cette Skag V-Ride 252. Ça fait pas rêver? Non, ça fait pas rêver. Regardez ce joli jardinet dans lequel on va tracer des trucs immondes. Oh merde, les plombs en béton, je vais pas arriver à les raser. Ça peut se jouer au volant. Attendez, il y a des mecs qui ont un Logitech qui coûte 200 balles pour jouer à ça. Non, en faites-moi pas ça, les gens. Trouvez-moi pas une vidéo avec ça, hein, je vais faire un arrêt cardiaque. Pour votre carrière, tu lances une entreprise de tonte, ton, et finalise des contrats, tra, pour gagner de l'argent, jean, et des PR, point de réputation. Oui, on est en 2020, tout le monde se sent obligé de lécher le cul de son voisin pour être bien noté. Ensuite, tu pourras acheter de nouveaux véhicules, embaucher de nouveaux employés esclaves et débloquer des contrats d'arnaque pour aller blanchir ton argent aux Bahamas. Wouh, wouh, wouh! Bon, déjà, ça commence bien. Le mec à l'apéro, il peut pas rentrer plus de caractères. Je suis bloqué sur le i, je peux pas en rajouter un. Krakenko, c'est très bien. Non, y a pas un truc pire? Bon, c'est pas là-dedans qu'on va trouver des pochettes de death metal. Hein. On va se contenter de ça, ça a l'air mignon. Et tranchant. Qu'est-ce que vous me faites pas faire? J'étais pas supposé le faire, Steve. Merde. Y a même pas un gros barbu sale. Je suis dégoûté, quoi. Attendez, on va trouver un truc dégueu un peu quand même.
pas trop les verres parce qu'on va me confondre avec ce que je ratiboise et je vais me faire griller quoi. Je peux me prendre un coup de tondeuse. Donc ça c'est proscrit, notez-le. Jamais vous utilisez ça si vous travaillez dans les espaces verts. On pourrait vous tondre par inadvertance. Le jaune c'est déjà pris il me semble. Donc on va éviter aussi. Ça c'est pas mal tu vois. Ça c'est... Quand tu sues en plus on voit bien les auréoles sous les bras. Ça apparaît clairement. Ah bah celle-là on va la prendre. Parce que je vais pouvoir tapisser un petit peu les murs des propriétés dans lesquelles je vais bosser. Oui parce que je fais peintre en herbe aussi. Non c'est pas un peintre débutant. C'est le peintre qui make. Il peint réellement avec l'herbe sur les murs en béton. C'est pour ça que j'invite d'ailleurs tous mes clients à avoir des murs clairs. Pour bien que ça se voit. Vous allez vite comprendre. Donc ça c'est l'engin de mon amour. Nous allons monter sur le véhicule. Accrochez-vous. Les instructions en bas de l'écran. Appuie sur le X. On sent la puissance. Hein. Pas bien quand tu fais ça. Le premier run de Monsieur K dans Lawnmower Simulator, c'est maintenant. Accrochez-vous, attention, ça va dépoter. Je vais faire tout sauf de l'herbe. Il n'y a pas une seconde. Elle tient un peu à droite, je trouve, non? Attention, la bagnole. Screech. Il n'avait rien à foutre ici, lui. Qu'est-ce qu'il vient se garer avec sa bagnole? Merde, c'est la mienne. Ah, oh, putain. Alors, j'avais dit qu'on était dans un stream aujourd'hui où Monsieur K allait dessiner d'énormes choses dans la pelouse. Et je vais m'y tenir, les amis. Ah bah ça trop tard. I have the plan. Attends plus haut, je vois rien là. Hop. Recule. Oh, ça va être une toute petite merde. Elle braque pas terrible celle-là. Je vais peut-être prendre une autre. Hein. Merde. Eh oui, les amis, c'est un instant important, mais il faut le signaler, que les gens soient aware. Nous venons, dans ma grande bonté, attendez, je vais faire ça bien, de réaliser devant les yeux ébahis, en live, pour la toute première fois. Oh, on peut pas l'avoir. Oui, tu n'as pas rêvé, viewer. Nous venons de dessiner la toute première grosse bite de cette séquence de bites qu'on va faire dans ce jeu. Bon, elle est pas très grosse parce que là-bas, on m'a un peu empêché d'aller très loin. Rien ne nous empêche d'aller plus... de nous exprimer mieux, quoi. Regardez, là, on va en faire une plus grosse. La caméra, c'est génial. J'adore. J'adore ce qu'ils font. Changez rien. L'astuce, c'est de bien prendre ses repères. Ah, oh, ferme ta gueule, je tombe à la mauvaise hauteur si j'ai envie. Une fois que vous avez bien pris vos repères, là, vous pouvez commencer à vous lâcher. Puisque, alors, on va vérifier quand même. Ouais, c'est pas mal, là. C'est pas mal du tout. Là, ça va être un modèle vraiment XL. Bien faire la symétrie, hein, sinon c'est dégueulasse.
Bon, il va avoir une boule plus petite que l'autre, hein, je préviens. Mais voilà, c'était le risque au démarrage. Par contre, il va avoir un de ces énormes boules. Hein. Oh, ça va être magnifique. Regardez-moi ça. On va passer deux fois hein, pour que ce soit bien tendu. Comment je règle la hauteur déjà? Là, on va beaucoup mieux voir. Avec la musique de la Kaita Katana, ça donne un côté tout de suite épique hein, à cette aventure, les amis. Voilà, j'ai plus qu'à suivre le pré-contour que j'ai habilement fait et qui propose des courbes douces et agréables à la fois pour représenter au mieux l'objet du crime qui, dans pas très très longtemps, va être très très visible sur cet écran. Oui, c'est lui. Pierre Perret en avait chanté les louanges. D'autres ont tenté, mais ici ils sont brûlés. Le zazer. Le zazer. J'espère que j'ai un drone pour faire une photo à la fin de ce que je fais, parce que là j'ai une fierté qui commence à... On pourrait même faire un truc au bout, genre, je sais pas, mais... Attendez, Attends, arrête de couper, mec. Voilà, je sais pas, on va se trouver un coin pour voir si ça a de la gueule, vraiment. Ça me gêne, je fais des traces de roues sur mon œuvre. Il faudra que je signe dans un coin, d'ailleurs. Et voilà, je confirme, Monsieur K aura fait du Lawn Mower Simulator dans lequel il n'aura fait que dessiner d'énormes bites, tout simplement. On va dire. Maintenant, si vous trouvez une autre utilité au jeu, parce que c'est assez proche du masochisme, ce genre d'expérience, c'est que, un, vous êtes un petit bourgeois qui n'a jamais passé la tondeuse, ça c'est sûr. Et donc, je vous recommande de désinstaller tout ça et d'aller rendre service à un de vos voisins qui doit tondre et de le faire à sa place. Vous comprendrez tout beaucoup plus rapidement. Allez, moi j'arrête ce stream, il est tout pourri ce jeu. Ah, je suis coincé. À pas bientôt. Enfin si, à ce soir avec un vrai jeu, ça s'appelle Endling. Et vous verrez que je vais peut-être réussir à vous faire pleurer. Il y aura des morts. C'est des petits renards d'eau, ça va être triste. Hé, le loueur, je suis coincé, viens me chercher, putain.